Bonjour chers poissons, bienvenue dans cette vidéo de vie sentimentale pour les personnes de votre signe qui sont en couple. Et donc la période concernée, c'est du 17 juillet environ, bien sûr, jusqu'au 31 octobre 2021. Alors, pour ce qui est de la structure du jeu, il y a quelques petits changements que j'ai faits. Il y a quand même toujours la carte d'ambiance qui est ici, la première carte. Ensuite, j'ai gardé la deuxième carte avec le point sur lequel il faut se concentrer, le domaine sur lequel il faut se concentrer avec la carte astrologique. Et puis, alors c'est là où j'ai transformé quelque chose, c'est que j'ai priorisé en fait l'aspect du présent et non plus du passé. Donc la première carte, c'est le point présent. Ensuite, la deuxième carte, c'est l'obstacle ou une chose à développer pendant la période donnée. Et le troisième point, avec la troisième carte, donc, c'est l'évolution de la situation concernée par le tirage en question. Alors, on commence avec cette première carte qui est la carte d'ambiance. Pour vous, c'est l'arcane de 13 de la mort qui est à l'endroit et qui parle donc ici de détachement obligatoire, d'éloignement, d'une transformation qui est lente mais inévitable, hein, qui est, on va dire, radicale. On ne peut plus revenir dessus ensuite. Donc ça peut se faire sous le, si c'est, ça peut être sous la forme d'un divorce. Ça peut être un divorce mais qui aurait été longtemps attendu, notamment pour refaire sa vie autrement, ou alors pour se libérer de conditions qui devenaient insupportables, inconfortables. Voilà, c'est tout ça, c'est de cet ordre-là dont parle donc cette carte, cet arcane 13. Et sur le point sur lequel il faut se concentrer, on a la maison 11. La maison 11 qui parle de, en fait, de solidarité. Ça peut être solidarité envers un groupe de personnes. Ça peut être une communauté de cœur qui est en deuil, ou alors on est en deuil de cette communauté dont on doit se séparer. Et alors, mon écran va s'éteindre, donc je le maintiens allumé. Ça peut être la fin d'un lien avec une communauté, comme je viens de le préciser, et qui apporte donc de la peine, et voilà, ce genre de choses, hein. Alors, on passe sur le point présent avec la carte de la prétendante. La carte de cette carte, donc, est une carte qui a une énergie positive. Et pour moi, elle vient indiquer que dans le lien, dans la relation que vous entretenez, alors soit à deux, soit vous par rapport à l'autre personne, vous êtes à l'affût de tout ce qui va servir de terreau, hein, entre guillemets, pour un nouveau départ qui se présente, puisque juste après, on va y venir, mais on a la carte du futur. Et puis, en plus, comme la carte d'ambiance est une carte qui marque la fin d'un cycle, la fin d'une période, forcément, il y a quelque chose qui redémarre ensuite. Et même la carte de la maison astrologique qui est sur la maison 11. La maison 11 parle aussi de transformation importante. Et voilà, donc sur un cycle aussi qui redémarre, qui se termine et qui redémarre. Donc je reviens sur la carte de la prétendante où je parlais d'un nouveau départ justement qui se présente. Vous êtes, je pense, dans la construction au point de vue stratégique d'objectifs nouveaux. Donc, vous êtes à l'écoute de toute proposition qui serait adaptée au futur que vous souhaitez mettre en place.
et que vous désirez. Et je pense que c'est quelque chose entre vous que vous souhaitez quelque chose d'innovant, d'atypique, peut-être d'original vraiment. En tout cas, vous cherchez quelque chose qui soit ouvert sur le monde, avec lequel vous pourrez échanger au maximum. Donc ça peut aussi se transformer avec une recherche à développer tout ce qui concerne la communication avec les autres, par la technologie notamment, mais ça peut être aussi par le voyage, le désir de faire des voyages qui soient originaux ou qui aient une cause de bienfaisance, une cause humanitaire au départ. Voilà, c'est de tout cet ordre-là dont on parle ici sur cette première carte. Et sur la deuxième, qui est très, très liée pour moi, là, où on parle du futur, on est au début dans la préparation ici. Là, le futur, c'est la carte qui est sur le point de l'obstacle ou la chose à développer. Alors, c'est un obstacle et oui, c'est à développer quand même parce que il y a des choses à préparer. Je vous montre la carte. Donc, c'est une période d'autant plus importante que c'est vraiment à vous de l'envisager pièce par pièce, ce futur. Et c'est à vous de préparer, de penser, de réfléchir. Quand je dis à vous, pas tout seul, je pense donc à votre partenaire. Donc évidemment, là, je pense que la motivation est commune, les échanges, les idées sont un point pour moi qui est, je reviens dessus, fondamental, puisque il fait partie de la réussite de la mise en place de l'avenir que vous souhaitez. Et donc, il faut arriver à trouver les points de consensus, les points communs pour les objectifs, les buts que vous vous fixez. Donc, ce que vous dit également cette carte, c'est de veiller à souder le lien par tout ce qui vous semble essentiel à tous les deux et de partager en fait ce qui vous tient à cœur. C'est très important. Pour la suite, alors pour la suite du voyage, j'ai envie de le présenter de cette manière-là. Et oui, c'est vrai, c'est un pilier du reste. Voilà. Ensuite, sur le point de l'évolution, on a la carte de l'ascension qui se présente donc dans son sens le moins favorable. Mais pour moi, ça me paraît entre guillemets logique, puisque il y a un passé qui est à laisser derrière vous, et donc il y a une forme de deuil à faire, comme la carte d'ambiance en parlait déjà au départ. Et je vous remontre, je ne sais plus si je vous l'ai montré vraiment comme ça, donc cette carte de deuil qui est à faire. Et donc vraiment la partie de votre vie passée, alors à tous les deux, hein, est à mettre de côté, à abandonner. Alors il y a peut-être donc une période de détachement qui peut se faire sous forme d'une crise, une période intermédiaire. C'est pourquoi, donc, je pense, cette carte sort en étant dans son sens le moins favorable, c'est-à-dire à l'envers. Mais on est dans une étape, donc, intermédiaire pour moi, de transcendance, parce que dans l'autre sens, dans son sens normal à l'endroit, cette carte signifie donc une élévation de soi et une élévation vers... Donc une transcendance en fait, une transformation importante de votre vie avec un important lâcher-prise et une transformation au point de vue des idées, de la philosophie de la vie,
oui, de la façon de vivre et de voir les choses. Donc, surtout ne pas vous comparer à ce qui peut ressembler à quelque chose de traditionnel et de limitant dans votre vie. Puisque cette carte et cette maison du Verseau, la maison 11, justement, c'est celle qui fait sauter quand même les limites, les barrières, et qui ouvre sur le monde, sur quelque chose de différent, et qui aurait tendance, et qui a tendance, hein, je le dis dans les deux, sous les deux formes, à ne ressembler à rien de ce qui a existé auparavant. Mais toutefois, ça peut être la reprise d'une forme d'acceptation, d'une forme de voir les choses, tout en l'ayant transformé, tout en l'ayant transcendé, tout en l'ayant amélioré considérablement et adapté au mode de vie que vous souhaitez maintenant avoir et prendre des nouvelles habitudes avec de nouvelles personnes, des nouveaux lieux. Voilà. Et voilà, c'est ce genre de choses qui se présentent à vous. Donc, il n'y a pas de peur à avoir, il n'y a pas de crainte à avoir, même si c'est tout à fait normal quand quand on lâche quelque chose et qu'on n'a pas tellement d'indications sur l'aspect futur sur lequel s'appuyer, puisque c'est à vous de créer, c'est à vous d'innover et de créer ce dont vous aurez besoin, ce dont vous pensez avoir besoin. Donc, c'est une transformation qui se fait à la fois, enfin, la fin se fait de manière lente, parce que je pense que le processus en fait de fin, c'est maintenant, mais le processus en lui-même a commencé depuis au moins 1 an, voire 2 ans, puisque c'est une énergie qui est très lente et qui se fait petit à petit, par étapes. Par contre, l'aspect de la nouveauté peut surgir d'un seul coup. C'est-à-dire que ça peut être très déstabilisant. Mais c'est pareil, ça vient avec une forme imprévisible. Donc il faut être prêt, entre guillemets, à s'adapter à ce qui arrive. Voilà, cher poisson. Donc, je vous souhaite une très, très belle continuation ensemble avec votre partenaire. Et puis, je vous souhaite donc un très, très bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Donc, profitez-en. Voilà, cher poisson. À très bientôt. Au revoir.